Delta est pris au piège dans le point de chute. La circulation des trains est suspendue jusqu'à ce qu'ils soient localisés. Souvenez-vous, l'ennemi est seul. Nous, nous sommes la famille. L'Ambe essaye de nous damer le pion. Saloperie de cité. Elle a verrouillé tout le secteur. Si tu veux que le train reparte, tu vas devoir récupérer la clé de sécurité de Grace Holloway, la vieille qui fait office de gouverneur local. C'est Grace qui m'a viré de mon propre hôtel, le Sinclair de luxe. Trouve-la et récupère cette clé. Ok, bon. Bonjour à tous, ici c'est Barcilou, qui continue le playthrough de Bioshock 2. Cette fois-ci, nous sommes dans le chapitre 4, point de chute. Et nous sommes encore bloqués par... Donc cette fois-ci, c'est pas la glace qui bloque la porte. Mais c'est une serrure virtuelle. Puisqu'il nous faut la clé, et bien entendu, il faut aller la chercher. Et comme bien entendu, il y aura des chromosomes sur notre route. Mais ça, on a l'habitude. Ok, donc là, suivons la petite flèche qui nous indique... le chemin à suivre, très pratique, un peu comme dans Dead Space, le fil d'Ariane. Pour éviter de se perdre, c'est pratique, très très pratique. Pas perdre de temps à chercher son chemin. Un petit café pour la route. De la santé aussi, hein. J'étais presque. Ma flèche s'est presque arrêtée sur le. Sur la zone bleue. Je retente. Ouh, bien joué. Bien joué. Il est vide. Popper's Drop. Ok, donc ah voilà, donc on est parti d'ici avec le tramway de Atlantic Express Depot. Ensuite, on est allé à Ryan Amusement, le parc d'agrément de Ryan. Et enfin, nous sommes à Popper Drops. Ok. Donc, rendez-vous au Sinclair de luxe, c'est quoi ça? Sophia Lamb a interdit toute circulation ferroviaire à Rapture pour vous empêcher de retrouver Eleonore. Un de ses lieutenants peut lever le verrouillage du secteur. Selon Sinclair, une femme appelée Grace Holloway, qui dirige le point de chute, possède la clé dont vous avez besoin. Alex, allez la trouver au Sinclair de luxe.
avant que le tramway s'immobilise, on a pu apercevoir, enfin je pense, un protecteur sans son scaphandre. J'ai pas bien vu, mais il était pas joli à voir. Toujours ces fuites. Rosie. C'est tout rouillé. La génothèque. Plasmide stocké. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré le fortifiant pour aller plus vite. Je l'ai stocké dans ma génothèque. Je vais le reprendre. Ça sert à rien de le stocker. Ok. Là. Give yourself into her. Ils sont pas bien ceux-là, ils sont vraiment cinglés. T'es fou en l'air, mon sali!
utilisant ma télékinésie. Putain ! Comment oses-tu ? Oui, tu te caches où, toi ? En utilisant la télékinésie, je n'utilise pas trop de seringues, je n'utilise pas mes plasmides. Que la mort elle-même ne veut plus d'elle. Et maintenant, c'est moi que tu viens chercher, n'est-ce pas? Eh bien, tu fais fausse route. Lorsque nous t'aurons tendu un lampadaire et que tu lâcheras ton dernier souffle, là, j'aurai ma vengeance. Et puis, tout le monde m'en veut par ici. Qu'est-ce que je leur ai fait? Il y a du monde là-bas. On va la pirater. Protecteur. Qu'est-ce que je risque en l'attaquant? Tout, peut-être. Je vais dépenser mes munitions pour pas grand-chose. Est-ce bien utile? D'abord, on va fouiller. J'ai un peu trop bu, moi. C'est un chat, ça? Faut que j'arrête de boire parce que je tiens pas la bouteille. Quoi ça? Quoi? Oh, fusil à pompe. C'est efficace, ça. Merci, petit gars. J'en avais bien besoin de l'aide. Et là, j'ai trouvé un fusil à pompe à cadencier.
pratique. La vache, que d'une main, je recharge que d'une main. Je grimpe sur le toit. Tu devrais dire quoi, hein? Non, merci, mais je préfère rester dans ce trou. Franchement. Ah, ok, je vois. Mitrailleuse. Bien joué, je suis resté à découvert au lieu de me planquer comme un con. Descends un peu pour voir. Vous manquez cruellement l'esprit. C'est la banque qui vous envoie. Pourquoi fuir le salut? Travail dur pour attirer. Bien, bonsoir. Je vais me coucher, moi. Qu'est-ce qui est tombé ? Petite sœur, est-ce que je la prends à l'autre là ?
clinique 0047. Ah, c'est... Ah ouais, d'accord, ok. En voulant relâcher la bonbonne de gaz, je me suis fait exploser la tête. Donc j'ai lâché le clic droit et je l'ai lancé contre le mur. Chose à ne pas faire. À retenir pour plus tard. Est-ce que je peux pirater la caméra? Ah. Viens par ici, toi. Moi et Monsieur Raya. Oui, nous formions un duo. Merci les gars, fière chandelle. Viens par ici, toi. Oh putain. Putain, puis il y a une échelle en plus. Je recule, je vois pas ce qu'il y a derrière mon dos.
Rivé lourd, rivé piégé. Allez, viens par ici, toi. Voilà, encore une fois. Où tu vas? C'est pas par là-bas. Oh là là. Tourne-toi, tourne-toi. Parfois, je me prends à rêver. J'ai l'impression d'être heureux. Qui va là? Je suis plus malin de toi. C'est malin. Très malin. Et tout? Comme ça. Je te démontre pour récupérer. Est-ce qu'il est merde? Je vais finir le travail. Je vais pas le laisser comme ça en vie alors qu'il est à moitié mort. Oh oh. La liberté de culte, docteur. Mais personne ne vous empêche de vous prosterner devant l'idole de votre choix quand vous êtes chez vous. Mais à Rapture, notre seule loi est la liberté. Un homme n'a de devoir qu'envers lui-même. Toute autre insinuation est donc répréhensible. Je n'en suis pas si sûr, Andrew. Après tout, qu'est-ce que votre fameuse grande chaîne du progrès, sinon une métaphore de la foi? La chaîne représente une force irrationnelle, qui nous guide et nous tire vers le haut, et qui relève d'une véritable mystique. Tout comme les crucifix que vous confisquez et brûlez. Ça y est, youpi! Quand je pense que des parasites transforment mes meubles de famille en bois de chauffage, ça me donne la nausée.
Ok, je vais utiliser les rivets piégés. Oh putain, c'est des rivets lourds, franchement. Ce monstre a pris un autre bébé. Ce géant métallique est une cage de fer qui se nourrit de chair fraîche. Il ne laissera jamais partir notre bébé. À l'attaque! Ça recommence. Hop là, j'allais tout oublier, excuse-moi. Je dois m'abriter. Ok, la foreuse au corps à corps. Je me prépare. Et alors? Quand tu veux, ma petite. Le monstre a pris une autre de nos enfants. Il veut la monter contre nous, comme il l'a fait avec Eleanor. Montrez à cette chose comment nous recevons les monstres qui osent pénétrer dans notre jardin. Ah!
Coudoul, électrifié, troué. S'enfuir avec une innocence. Comment vous? Je voulais juste échanger. Sur le plateau. On n'a pas terminé. Ok, bah j'ai plus qu'à récolter. Ça va, je commence à prendre la main, à me débrouiller un peu mieux. Faut dire que j'ai de nouvelles armes. Très efficace au corps à corps, le fusil à pompe. Quoi? Je suis la flèche, hein. Pas perdre de temps. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais une petite sœur sur mon dos. Ça. Tu vas me le payer, sûr. C'est le protecteur sans scaphandre que j'ai vu au début. Je me posais la question de savoir quelle tête ils avaient. J'ai la réponse. Quoique je l'ai pas bien vu. Ça allait trop vite. Bon, mais je crois que je vais m'arrêter là.
Je vous dis à bientôt pour la suite de BioShock 2 dans le chapitre 4. Et à bientôt. Salut.